Il est là. Superman, je peux vous poser des questions, c'est pour des amis sur Facebook. Bon alors d'accord. Combien de gens vous avez sauvés? Non, mais pourquoi je pose une merde pareille? Non. Est-ce que votre symbole signifie vraiment espoir? Oui, c'est fait exprès. Comme la chute progressive d'un film au box-office. Un monsieur que j'ai connu m'a dit, l'espoir c'est comme le PQ. Si on le jette, il suffit d'en reprendre. Et souvent, il est souvent placé dans les toilettes. Ah. Et pour finir, pourquoi vous avez une moustache? Restez avec moi, Claire. Sans changer d'organiser deux enterrements. Heureusement que ta mère s'appelle Gertrude, sinon le troll du Hobbit aurait fait du sol. Comment ça, ma mère s'appelle Désolé, je suis asthmatique. Il paraît que ma voix part trop en couille. Dis à Louise qu'elle est comme un stylo bille. Elle est là quand t'en as besoin. Et tu peux ouvrir le bouchon si tu veux. Elle doit se démerder pour faire les courses et elle doit rester vierge tout le long de sa vie. Et que je l'aime comme un paquet de tic-tac. Ok. T'inquiète pas si tu vois la terre bouger sur mon cercueil. J'ai des résurrections de paix pendant un an. C'est des trucs d'aliens, tu peux pas comprendre. Je veux que tu te rappelles d'une chose avant que tu partes. Je suis... Tu es ? Je suis... En fait, ma mère s'appelle Jacqueline. Oh. Quoi ? Merde ! Pourquoi c'est pas moi qui l'ai tué ? Il m'a marté sur sa daronne, bordel ! Elles ont pas le même prénom ! J'aurais dû l'empaler ! Merde ! Tu peux répéter, j'entends rien. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Quoi ? Je suis Batman, nique ta mère, bordel ! Putain, maintenant je vais faire comme Samuel Jackson dans Avengers. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Sacred hall before it blows. Everybody knows. Je vous demande votre aide. Je cherche Adam Poisson haché Pauvre-Fouetteur. Il vient ici tous les mardis gras pour faire son jogging. Il vient ici le 1er avril pour dire à ses potes que sa prof est absente. Il vient également ici au printemps pour vous montrer sa belle fourchette en nettoyant les feuilles. Et il vient également au carnaval pour montrer sa belle armure également. Et il viendra en décembre parce qu'il y a son film qui sort. Il vient tout le temps, quoi.
Du coup, il porte une barbe, des cheveux longs, une veste et une paire de Nike. Une menace arrive. Je recrute des guerriers pour niquer Iron Man et sa clique afin de dépasser le milliard au box-office. Le premier qui me dit où il se trouve aura un million dans sa poche. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Y'a personne, gros. Essaye de faire le fuma. On s'en bat les reins. Juste, est-ce que t'y es? Rentre chez toi. Atlantis, c'est par où sinon? Arthur Curry, comme l'épice, alias le poisson pané, Fishman. Il paraît que ta barbe fait fake. C'est Aquaman sinon. Ah. En fait, Timmy Sylvester Stallone quand tu parles. Ouais, on me dit souvent de me répéter. Tu sais, on a besoin de toi aussi. Compte pas sur Rocky Balboa. Pourquoi? Parce que tu m'as traité de poisson pané. Ah. Et ça me saoule. Tout le monde m'appelle comme ça. On m'a même traité de bâtard à Atlantis. Ah, c'est pour ça que tu fais ton jogging tous les mardis gras? Non, ça c'est... C'est pour Ken. Ah, ok. Sinon, j'ai besoin de toi, tu sais. L'homme fort est encore plus seul. T'as jamais entendu ça? Si, j'ai déjà entendu. Donc, question pour un champion. Et même, il paraît même que l'homme poisson portait plus la poisse seule aussi. Bâtard. Tu connais Superman? Il est mort en mentant sur sa mère. Ah bah, t'as tout dit. Je déteste qu'on me mente. Ah bâtard, j'ai raison en plus. Ainsi, il vous a plaqué parce que vous l'avez traité de poisson pané. Ah ouais, mais je lui avais mis un mouchard sur sa barbe, mais il a jeté la poubelle parce qu'il faisait fake. Donc ça aide pas, mais... Les carrés sur la note du Joker, lui tord. Je crois qu'ils contiennent quelque chose. Je crois que ce sont des espèces de boîtiers. Contenant quoi? Des fausses barbes peut-être. Ou un pouvoir qui tue sa maman de ouf. Une chose qui justifie une pétition pour supprimer les barbes et moustaches, quoi. Parce que c'est un peu la mode aujourd'hui. Bon, on a été chanceux avec notre nouvelle recrue. Barry Allen. Il ne porte ni barbe, ni moustache, et son haleine est correcte. Contrairement à ce qu'on pensait. C'est un vrai petit clodo. Il vit dans des garages, j'imagine. Il devrait se sentir bien si on le fait dormir dans un bas de cave. Il rend quand même visite à son père, en prison. Il aurait niqué sa mère. Bah, c'est normal. Elle est morte. Ah, ok, ouais. Le petit Barry a protesté de l'innocence de son père en disant qu'il s'était fait un tacos la nuit du meurtre. Mais comme il avait 9 ans, personne ne le croyait. Et on a son adresse. Très bien. On a qui sinon? Personne. On n'a pas les moyens de se trouver une fille et un gars à moitié machine. Noir. Ah, putain, je préférais à l'époque où on se bastonnait contre des hommes pingouins, des hommes cochons et des hommes papillons. Je ne reconnais plus ce monde. On n'a pas à le reconnaître. En tout cas, j'ai pas à le reconnaître parce que je suis Batman. J'aimerais juste lui montrer qu'on peut niquer les Avengers au box-office. Barry Allen? Bruce Wayne. Déjà, je ne m'appelle pas Barry Allen Bruce Wayne, et vous dites ça comme si cela justifie qu'un parfait inconnu soit dans mon garage, dans le noir, et dans ma chaise préférée numéro 1 500 467,6. Explique-moi ça. Il s'agit de Gilbert, un voisin copycat de sa mère s'appelle Jacqueline. Il a peut-être volé votre réglé préféré. Je sais que t'as des pouvoirs, mais je ne sais pas lesquels. Allez dans mon Facebook, c'est plus simple. Je collectionne des moustaches, des barbes et... je fais aussi des critiques de films sur Marvel. J'adore Marvel. Et je parle la langue des signes. Signes de gorille. Je déteste Marvel. Ah! Feuilles scotchées sur des habits. Très efficace. Et je suis fort en art plastique aussi. On construit surtout ça pour supporter tout type de vitesse électrique. C'est de l'art plastique professionnel. Sinon, je sais pas qui a volé votre réglé, mais c'est pas moi.
vous êtes Sylvester Stallone? Non, je suis... Mon père? Non, je suis... Julien Lepers? Non, je suis Batman! J'ai jamais entendu parler. Et toi, tu es Usain Bolt? Non, je suis... Non, ta gueule! J'assemble une équipe pour niquer Marvel au box-office. Je suis persuadé dès que les ennemis arrivent. Ok, je signe. T'es sérieux? Ouais, j'ai pas d'amis. Je n'arrive pas à capter les gens. Ils obéissent à un rythme. Le rap. Ouais, c'est ça. Je peux garder ça. Sinon, j'espère que vous avez beaucoup de nourriture. J'ai besoin d'énormément de calories pour canaliser ma speed force. On est combien, au fait? 2. Ok, c'est quoi vos pouvoirs, déjà? Je suis Batman. Oh, bordel, le bat-signal! C'est génial! Waouh, bien vu, Barry. Est-ce que la mère de ton voisin s'appelle vraiment Jacqueline? Et en tout, vous êtes combien? Pas assez. Problème de studio. Je vois. 8 employés de Star Labs enlevés. Voici le suspect numéro 1. Maya l'abeille. Les gens pensaient que c'était vous. J'ai rien à voir avec cette moche commissaire. Quoi? J'ai rien à voir avec cette moche commissaire. C'est un moustique géant, Batman. Ah. Oh putain, c'est plus flippant que de Rampage. J'ai cartographié tous les signaux sur Metropolis et Gotham. Vous pourrez pas vous en sortir seul. J'ai trouvé ce fragment de boîte à gaine. J'espère que ça pourra vous être utile. Merde. Merci. Vous pensez vraiment que... Oh d'accord, il joue à cache-cache. Mais j'ai pas envie de compter. Vous avez un rencard, monsieur, cette nuit. Avec tout ce que vous avez barré, Alfred, j'ai encore des trucs. Putain, non. Ce soir, Alfred, je dois sauver le monde. Ce fragment est une matrice d'énergie perpétuelle. Il peut donc tout détruire en créant. Donc je peux créer une brosse à dents tout en détruisant mon dentifrice. J'ai plus de brosse à dents, mais j'ai encore plein de dentifrice. Elle pourrait régénérer des cellules, mais elle est trop fossile pour cela. Muscles. Coordination. Un minimum d'intégrité cellulaire. Il y a des limites pour un être humain. Sauf moi parce que je suis Batman. Mais ce fragment de boîte, il a été fait pour remodeler une planète. Et si un homme, plus fort qu'une planète, comme moi, évidemment, avec des cellules régénératrices qui ne pourrissent pas quand elles sont mortes, qui sont donc à l'état de sommeil, et qu'on place cet individu dans un champ conducteur, l'impulsion du fragment pourrait le ramener à la vie. Vous êtes fou! Ce ne serait peut-être pas lui qui se réveillera. Vous pouvez créer un Doomsday. Je refuse que Superman ait une tête de troll. Ça gâcherait mon enfance. Cette technologie est bien plus évoluée que ce qu'avait le Joker. Luthor, pardon. La science, ça sert à ça. Ça sert à évoluer, à aider le monde. Et donc par conséquent, à créer une vie meilleure, même si je suis nul en science. Ou à nuire ce monde. Superman est mort. Ce n'est pas vous qui l'avez tué. Oui, mais je veux savoir si sa mère s'appelle Jacqueline. Il était un flambeau pour le monde. Et même si on fait rien, le monde sera foutu quand même. Superman est notre seul espoir, même si ça me fait mal de le dire. Mais si ça part en cacahuète, on sort la grosse artillerie. Il aurait été plus apte à fonder cette équipe de Pecno. Mais c'est la capacité qui compte. Rien de tout ça. Il était plus humain que moi. Il a eu une meuf. Il a eu un job. Il a vécu dans ce monde alors qu'il était plus puissant que Galactus. Bon, j'abuse un peu là, même si j'aime pas Marvel, c'est pour ça que je clash. Il aurait fondé cette équipe pour le bien, pas pour battre les Avengers au box-office. Le monde a besoin de Superman. Et je veux savoir comment s'appelle sa mère. L'important, c'est qu'il peut être en paix aujourd'hui. Mais Alfred, on est lundi, personne n'est en paix aujourd'hui, on travaille. Barry, écoute-moi, je veux que tu déterres Superman, je sais que ça peut paraître gore, mais... C'est te dit, écoute-moi. Je veux que tu le ressuscites. Viens. Quoi? C'est le plus beau jour de ma vie. Pareil. Ce sera un grand honneur, monsieur. Écoute-moi, si jamais il perd la tête, il faudra te battre.
C'est vraiment cool que vous sachiez vous bastonner et tout, mais moi, je sais pas me battre. Je bouscule les gens par derrière, c'est tout. Mais lui, juste un coup. Juste, je sais que t'en es capable. Ok. Un coup. Allez, Barry, tu peux le faire. Tu dois courir en présence de ce fragment et tu dois lui envoyer la plus grosse décharge de ta vie. Je vais faire un coup de foudre à Superman! Mon Dieu! Ta gueule avec les blagues de merde, n'oublie pas que tu travailles avec Batman. Je suis plus charismatique, plus brave, plus puissant, plus joli, plus beau que Superman. Ok, d'accord. T'y vas, mon signal. Allez, ok, d'accord. À tes marques. Prêt, feu, pas. Yo, je suis là parce que je suis dans les scripts. Qu'est-ce qui se passe, Stallone? On a ressuscité Superman. Et il pète les plans. Mais je croyais qu'il pouvait pas à travers le pont. Ta gueule, s'il te plaît. Juste, est-ce que tu peux faire un putain de truc de ouf avec cette personne? Non, ça marche qu'avec la mer. Oh, espèce de salopard, à quoi tu sers, putain de merde? Bon, prépare ta fourchette géante et essaye de te rendre utile, Fishman. Comme ça, tu pourras être utile au scénario. C'est à quoi mal, chauffe pourri. Bonjour, je m'appelle Barry. Je me suis frappé par une éclair, du coup, je cours extrêmement vite. Et j'ai eu mon brevet avec mention. Ta gueule! Oh putain, on est dans la merde! Il a une moustache. Comment elle a pu pousser aussi vite? Je sais pas, il paraît que c'est viril. Moustache, c'est bizarre, on l'a voir qu'une fois sur deux. C'est peut-être des reshoots. Avant toute chose, est-ce que ta mère s'appelle Jacqueline? Je crois pas qu'il ait aimé. T'as peur, hein? Non. Si, t'as peur. Ta gueule. Mais tu vas me dire comment elle s'appelle, putain. Tu vas finir à la poissonnerie. C'est pas cool, mec. Ça se fait pas. Faut que t'ailles chercher quelque chose pour moi, c'est la plus haute importance, au cas où elle arrive pas à l'arrêter. Ok. J'ai même pas pu te le dire, putain! Je cherche un coup déjà? Ma moustache! Tu te fais nu sans moustache maintenant! À nous deux! L'art! Dernier chaleur de Krypton! Rappelle-toi du nom de ta mère! Tu vas regretter d'avoir fait ça! Tant pis pour ta gueule! Tu ne me laisses pas vivre. Tu ne me laisses pas mourir. Tu ne me laisses pas respirer. Je pensais pas que tu pleurais autant de la gueule, même mort. C'est toi qui devrais t'appeler Barry Allen. C'est vrai, putain. Mais toi, tu sais même pas articuler. Dis-moi, il t'arrive de saigner? Ouais, quand j'éjacule. Oh, peur. Dégueulasse. Et ta mère! Putain, je me ressemble à Green Lantern! Ah ouais, là, ça sonne bien!
a oublié le fragment. Merde. Alors dis-moi vite, si tu veux que j'arrête de te faire saigner, comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle Martha. La mienne aussi. Désolé, il fallait que je sois un petit peu déboussolé et que je me batte contre vous pour avoir un retour badass. J'étais pas... Je pensais pas. Oh, t'inquiète mec, j'ai l'habitude franchement. Désolé de t'avoir frappé. T'inquiète pas, c'était un honneur de me prendre une branlée de ta part. On t'a enterré avec le costume? Putain qu'il est con, on lui a mis ce costume pour pas qu'il soit tout nu suite à la décharge électrique. T'es pas censé avoir de la barbe et un costume noir à la Zod? À la base, je devais être tout nu mais fait froid. Et aussi, je devais avoir le costume noir, mais la production a dit que c'était trop tard, donc j'ai le costume normal. Jalouse, je m'attendais à mieux de leur part, honnêtement. Warner, c'est des cons, à cause de je fais des blagues de merde. C'est pour ça que je cours comme un manchot. C'est pour ça qu'on m'a incrusté un scénario comme un con. Et je devais pas avoir de moustache aussi. Putain! Les moustiques jantes commencent leur invasion. La Ligue, il est temps de démonter les Avengers au box-office. Attendez, je vais m'en charger tout seul. On garde le contact. Tenez, c'est pour que vous m'entendiez défoncer Steppenwolf. Merci. Steppen quoi? Ta gueule! À toutes! T'avais pas des cheveux comme ça avant? C'est normal, c'est parce qu'on tourne les shoots. Ah, ok. Vous êtes tous trop faibles pour voir la vérité, moi. Eh bien, je crois en la vérité. Je suis aussi un grand fan de justice. Oh, quelle merde. C'est quoi ton sérieux là? Steppenwolf, misérable crypto. Je croyais que c'était un loup. C'est Steppenwolf. Pourtant, tu n'as pas une tête de loup. Ah ouais, là. Je suis la fin des mondes. Qui es-tu pour oser me défier? Ça fait mal. Ce monde me revient de droit. Arrête de jouer au méchant unidimensionnel, Steppy. Non, cela ne se peut. Non, je reviendrai pour régler ton compte, alien. Non. Et voilà le travail. Je commence à en avoir marre. Depuis le début, je sers à que dalle. C'est quoi ce truc sérieux? C'est même pas un vrai trident. Il y a 4 trucs, normalement il y en a que 3. Je peux même pas contrôler les eaux, il y a une piscine, je peux rien faire avec. À quoi je sers dans ce film? C'est vrai qu'on nous a fondé pour rien? Putain, ça y est, moi je me casse. Désolé Arthur pour mes insultes, Batman. Va te faire enculer, Batman. Ah, salopard de bâtard. Pareil, reste avec moi, comme ça j'offre une caution pour libérer ton père dans un costume 4 étoiles et pas cette vieille merde. Et ensuite, je t'offrerai un putain d'emploi de ouf, hein. Ok, mais moi je préfère rester le petit heure du quartier, si tu vois ce que je veux dire. Oh, bâtard, tu t'es pris pour Spider-Man! Merde! Alors, pas toi, s'il te plaît. J'étais sûr que tu ne m'avais pas ressuscité par amitié. Non, bah non. Bien sûr que si, c'était pour le prénom de ta mère, c'était pour Martha, abruti. S'il a un truc où je te nique facile, c'est par mon charisme. Parce que je suis Batman. Ah, ligue de merde. Putain, je me casse, j'ai pas envie de te planter là comme un con, putain. J'ai tout foiré. Drunk on a wagon to Mexico.
sais pas quoi te dire, mais merci pour avoir accepté de faire ça. Oh, je t'en prie, hein. Ça me titillait aussi. Attention, c'est pas une compétition, enfin si, mais on compare les tailles et tout, non. T'avais pas cette tête avant? Ah, c'est normal, l'acteur original était pas disponible. Mais si je gagne, tu rejoins Batman à côté qui chale comme un bébé. Ah, tu m'as fait peur. Non. Si je gagne, tu nous payes une place pour voir Justice League. Ah, ça, tu vois, c'est cruel. Je me sens trahi. Ah, ça me fait mal au cœur. Bon, si je gagne, tu regardes un épisode de The Flash. Alors, quel côté? Écoute, je n'ai jamais vu Star City. Qui, bien sûr, est par là. Dommage qu'il n'y ait pas une flèche pour indiquer. C'est du mauvais fan service, ça. Bon. Ah non, Marc. Prêt. Feu. Bienvenue dans ma chambre. Un verre de ST peut-être? Je fêtais justement le retour de Dieu, sorti de terre et promptement remonté au ciel avec ses drôles de petits amis. Ils ont essayé de former une espèce de ligue. Pas ligue de foot, parce qu'il y a la coupe du monde, plutôt ligue de Marvel qui essaye de copier les Avengers de Marvel, plutôt. Vous voyez, ça a flopé comme pas possible. Je m'en bats les couilles. Je commence à me faire chier, là. J'ai bien trop à me faire chier de la vie et bien plus encore à faire, monsieur Wilson. Nous devons réussir ce que Batman a foiré, monsieur Wilson. En gros, ne devrions-nous pas créer notre propre ligue? Ça commence à me casser les couilles. Justice League, Suicide Squad, Avengers. Je préférerais même être avec Deadpool. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal?